Et salut à tous les amis, c'est Robin sur Total War Rome en compagnie de mon général, de mon petit général Cassius. Donc celui-là c'est pas Cassius, c'est Régulus. Régulus, qui est même pas prêt à attaquer quoi que ce soit. Mais par contre mon César, lui, il est au nord. Il joue bien, il est présent. Donc ça c'est bien. Donc ici, on a une petite armée mais rien d'intéressant. Donc la Ligue 3 Alpina par Gaius Cassius Longinus. Mais Longinus, tu ne me sers à rien comme tu es. Donc je vais t'envoyer au nord. Je vais t'envoyer au nord avec César. Sauf que... ah bah t'as un truc. Je peux te mettre ça. Ah mais c'est pour Domitas Trabon là. Ok, tiens. Comme ta gueule maintenant. Donc ici, bah tout à fait. Helvetia va tout à fait bien, c'est bien. Ensuite, on aura bientôt le commerçant là. Bien. Ok, bah continuons. Alors, ce personnage... Ah, compétence pour Jules César. Ça, c'est bien. Très, très bien, ça. Allez. Général. Et c'est parti. On termine le tour et on va essayer d'attaquer encore au nord. Il y a pas mal d'armées ici. Hein. Il y a pas mal d'armées, ça risque d'être un peu dangereux. C'est pas grave. J'essaierais bien d'attaquer les Tulinges, en fait. Ce serait pas mal. Ouais. Ah, en plus, ils se séparent. Y'a moyen, y'a vraiment moyen en fait. Putain, infamie. Que me fais-tu? Alors, une femme de notre famille a été appréhendée devant le Sénat. Elle a attaqué un sénateur qui avait mal parlé de son mari et a planté une épingle à cheveux dans sa langue. Elle prenait la défense de son mari, la fidélité devrait être récompensée. Je suis exactement de ce... Ah non, je sais pas. Faut voir, faut voir. On va mettre ça, on a déjà mis ça, mais... Donc on va essayer de... Je vais essayer, allez, je vais essayer de capturer Touricom. Pour essayer, peut-être que ça va m'apporter plus d'argent, en fait, c'est ça que je veux. Que ça m'apporte plus d'argent. Donc ici, on va recruter un petit peu. Tac. Alors ensuite, développement militaire. Ici. Bien, économique, qu'est-ce que je sais faire? Soutien César. Caserne de manipule, ouais, ça c'est bien. Très bien. Ensuite, Régulus a eu son recrutement. Donc Régulus, c'est bien. Je vais... Mesasques. Mesasques. Choisir la cible de coordination de guerre. Donc... Je te l'ordonne. Ok. C'est la cible. Nous avons fin de bataille. Ensuite, nous, on va essayer d'aller voir. Allez. Soyons fous. Merde, il y a pas mal de monde, en fait. Pas mal de monde. Tant pis, tant pis. À l'attaque. On teste, hein, on va tester. Donc. On pourrait mettre ça. Ouais, ça serait pas mal utile, ça. Allez, c'est parti. Putain, il me reste qu'un. Putain, il me reste qu'un truc de. C'est bien peu. C'est vraiment peu ça. Et ouais. Alors, les finances. Ouais. L'entretien de l'armée, elle fait gros, hein. De l'armée, elle est grosse, hein. Mais bon, tant pis, on en a besoin, on a besoin de l'armée, donc allez, terminons ce tour de Mitas Trabon. Non, va te faire foutre, va te faire foutre, c'est tout. Vivisque, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, Vivisque. Les Vivisques, il y a moyen. Ah bon, là on a deux fils gagnés. Cependant, je vais quand même faire la bataille, mais en mode comme ça. Vas-y. Histoire que les vivisques gagnent. Les vivisques vont gagner, ça peut m'apporter quelque chose de mieux. Voilà. On va en faire. On va les tuer. On s'en fout. Ça peut être sympa. Ah. Ici.
On va laisser s'entretuer, regardez. Ils sont entretués eux-mêmes. Donc il y a eu des grosses pertes dans les deux camps, j'imagine. Plus grosses que prévu, en tout cas. Ce qui est largement bénéfique pour moi. Largement bénéfique pour moi. Chrome. Cible de guerre invalidée. Putain, enculé. Alors. De vicieuse parole. Suite à votre éloge de la dame pour sa violence, le Sénat et les autres familles patriciennes ont commencé à réfléchir à deux fois avant de vous contredire. Ah ah! Génial! Je savais que j'aurais dû faire ça! J'en étais sûr! Ah putain, c'est trop con. Bon. Il nous faudrait pas mal de. Il nous faudrait des mercenaires d'un coup. Touk. Ok, allez. On va tester. On va envoyer notre légion à Octodurum. On va la laisser à Octodurum. C'est pas encore le temps de redéclarer la guerre. Pas tout de suite. Une faction émerge, qui? Les Vénètes. Bien. Et ici, on a eu le soutien à César. Mais qu'est-ce que c'est ça? Nommer des légats. Non. Lier d'amitié avec les chefs gaulois. Non. Pas tout de suite. Soutien à Crassus, ça peut être intéressant. Concession commerciale, ça peut être intéressant aussi. Voilà, on va faire ça. Ok, donc eux, ils ont eu un peu de... Non, ils ont quasiment pas eu de perte. On va les attaquer, on va détruire cette ennemi là. Comme ça, ils nous posent déjà pas de problème. Hein, ils se régènent pas. Voilà. Donc on va les buter. Voilà. Soliat, c'est fait. Cependant, il y a les vivisques. Ils vont être un problème. Ils vont être un problème de taille. Je ne sais pas encore comment les gérer. Donc les vivisques. On va voir un petit peu comment on va les gérer. Vivisque, vous êtes où? Là. Bien, j'imagine que... Donc, soutien militaire pour vivisque. Action militaire, ouais, on a pas. Allez, ça passe, moins 12. Ils sont défensifs et fiables. Soyez-les bienvenus. Bien comme je vais pas leur donner le statut de client, non. Mais je vais pas être ami avec eux. Donc, ils sont défensifs et fiables, ce qui pourrait être un avantage. Ils vont pas essayer de m'attaquer. En tout cas, je pense pas. Ça, c'est bien. C'est bien. Cependant. J'aimerais quand même bien m'emparer de Burdigala et de Sotium. En somme, de toute l'Aquitanie. Et pour ça, ils sont sur mon chemin. Mais un état client ne me conviendrait pas. En tout cas, ce n'est pas ce que je veux. Donc, on va déjà terminer ce tour. On attaquera Touricom juste après. Ça, c'est un vrai coup de salaud, hein, ce que je fais, mais... Mais je m'en fous. J'aime avoir des amis. J'aime me faire des amis. Nous pourrions être amis. Alors, je ne serai pas forcé. Tu es en guerre contre Vivisque, mais non. À mes ennemis. J'annule. Justement, je vais essayer d'aller te combattre. Je vais passer par les Vivisques. Je vais aller te combattre. Ce serait pas mal. Ah. Ça, eux, ils sont à l'endroit où je veux. Ah merde, Rurikon n'est pas quartier. Fichier. Ah mais non, Rurikon, je m'en fous en fait. Oui, Rurikon, c'est pas grave. Ah voilà. Donc ici, Octodurum, c'est ici que l'action de traître commence. L'importance de la pénalité pour avoir brisé une alliance sera plus grande si l'accord passé a duré longtemps. La confiance a besoin de temps. Ta gueule. Plus l'estime de notre faction est grande, plus ouais. Dure est la chute lorsque les choses se dégradent. Je m'en fous complètement. L'ennemi n'a pas réussi à détecter votre embuscade. Ah, une attaque en embuscade. Ça, c'est sympa. Ça, j'ai envie de vous la montrer. Ça va être assez marrant, ça. Allons-y. Une attaque en embuscade, ça peut être vraiment beau.
donc. Oui, mais ma relation diplomatique va être sérieusement entachée à cause de ça. J'en suis conscient. Mais je n'ai pas besoin de faire des relations diplomatiques avec l'ennemi. Pour le moment en tout cas. Donc ça, je m'en fous. Voilà. C'est compliqué. Vraiment penser à tout, mais là... Une embuscade est une attaque furtive sur une armée qui passe. Les règles habituelles du déploiement ne s'appliquent pas ici. Vos forces attaqueront l'ennemi tant qu'elles seront en ordre de marche. Ce n'est pas toujours la meilleure option à utiliser dans toutes les situations. L'armée ennemie ne pourra pas bouger tant que la bataille n'aura pas commencé. Alors déployez-vous avec soin pour causer le plus de confusion et de désordre. Ouais. Ici, on va mettre nos cavaliers ici. On va attaquer les tirailleurs. Avec alors. Tac. Tac. Ici donc ici. 3 unités. 3 unités de Vigiles. Bam. On va attaquer. Avec 2 unités ici. On va les mettre. Nos 2 unités de Vigiles, on va les mettre. Quoique il nous en faudrait une troisième. Une troisième ça ne serait pas de refus. Tac. Boum. Boum. Plus 2 unités de Vigiles. Juste ici. Alors. Tac. Alors, Longinus. Ici. Ok, là on est prêt. C'est parti. Ok. Donc ma cavalerie attaque ici. Ok. Vous rentrez dans le tas ici. Vous le rentrez dans le tas. Toi. Comme celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc, toi. Comme celui-là. Toi. Celui-là. Toi. Celui-là. Toi. Celui-là. Toi. Ici, tu n'auras même pas besoin de ça. Voilà. C'est parti. Bulia. Ouais, je sais bien, c'est le but. À l'attaque. Ouah. Allez. Chargez. Je m'en fous, mon général. Oh putain, on a eu des pertes là. Allez Longinus. Allez Longinus. Allez Vigiles. Les épées qui ont fiché. On a nos renforts, c'est déjà une bonne nouvelle. Nos renforts viennent d'où est-ce qu'ils... Ah, là-bas. On va les envoyer ici. Allez, à l'attaque. Si ça devient du gros pic combat là. La bataille tourne en notre faveur. Tant mieux. Ya. Longinus. La peur. Il faut les vaincre. Il faut les vaincre. Merde, là on va avoir du. Certainement on va avoir assez dur à mon avis. Allez. Nos hommes là-bas, bah ils seront pas là avant un bon moment. Mais bon. Au pire, si l'assaut principal d'embuscade ne réussit pas. Ça devrait passer, mais bon. Mais il y a toujours des imprévus. Tuez ces épées courtes. Allez Longinus. Ces épées courtes. Bon, après nous, c'est des Vigiles. Donc c'est pas les meilleurs, hein, clairement pas.
eux, les épées courtes, c'est pas les moins bons non plus. Donc voilà, ça va être chaud. C'est chaud. Très chaud. Ok, Vigiles. Ici. Allez, tu te replies. Tu te replies pour le charger après. Ah, tes trois paires vont se replier en okay, bon. Préparez-vous. Chargez. Ouais. Allez, replie. Donc toi tu vas attaquer. Attaquer les chiens qui sont là. Dans leur cul. Yaaaaaah. Ça ici il pompe pas donc c'est pas mal. Moyen de leur faire pas mal de morts. Après ici les nobles lanciers là ça devient un peu chaud hein. Mais on doit tenir, on doit tenir. Allez, butez-les. Longinus, sois fort. Merde, si tu meurs, tu seras remplacé par Marc-Antoine, qui est meilleur que toi, donc Allez, ah là il se replie. On aura peut-être même. On aura. Ouais, j'espère qu'on aura même pas besoin des autres. C'est très bien ça. Allez, parfait. À l'attaque! Chargez leur cul! Parfait. Longinus, tu continues à les attaquer eux. Tu les pourchasses! Butez ces épées courtes! Parfait, ils sont morts. Ok. Cavalerie, vous allez ici sur le. Pour attaquer ces chiens derrière. Tout le reste. Attaque! Ouah. Pas mal ça. Une attaque majeure là. La grosse attaque là. Ok, préparez-vous. Chargez. Pas mal de morts, pas mal de morts ici. Longinus, attaque ces chiens. Ah ici ça marche bien. Ça dit ces nobles lanciers ne meurent pas. Ils ne veulent pas mourir hein. Là. Même. Et voilà, faire ça à ceux-là. Ici, les épées courtes vont mourir. Ça va bien. Mais. Oh putain, ils sont encore loin les autres. Hein. Les autres sont encore loin. Ils marchent. C'est normal qu'ils sont loin, ils marchent. Voilà, allez. On combat! Tue-les, tue-les! Butez-les, butez-les! Vous pouvez le faire, je suis sûr! Faites gaffe, les gars! Ah ah! Victoire! Yeah! Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, chers amis. Donc oui, c'était un plan complètement salaud. Oui, je le reconnais. Mais oui, j'en suis fier. Eh ouais. J'en ai rien à foutre, moi. J'en ai absolument rien à foutre, j'en suis fier de ce que je fais. Je suis content de les avoir défoncés. Donc voilà, là, ces hommes sont morts. Presque tous, même. Donc, des esclaves, hein. Merci, Longinus. Merci Longinus, tu les as vaincus. Maintenant tu vas les achever.
Et voilà. Et voilà. Effectivement, c'est terriblement, terriblement méchant comme plan ce que j'ai fait, mais bon. Ça a bien marché en tout cas. Bon. Gardien de la paix. Et donc, gardien de la paix et. Non, pas ça. Ça, c'est pas mal. Allez. Là, on leur a déclaré la guerre. César est prêt à attaquer lui aussi. Parfait. À l'attaque, César. Voilà. Parfait. Donc, on va faire cette bataille et puis on se quittera là. Allez, c'est parti. On sauvegarde toujours pour... C'est mieux. Complètement mieux. Allez, c'est parti. Combattons. Dans une cité impériale, aucune inconsistance n'est opportune. Euphème, Archonte, Athènes. Je sais même pas ce que c'est un Archonte. Alors là, vraiment pas. Mais bon, pas grave. Pas bien grave. Hein. Oui, désolé, je ne parle pas parce que j'écoutais la musique et je regardais un petit peu dans ma rue et tout. Hein. Rien de bien sorcier. Bon, un petit village qu'on va pilonner avec nos bombardements. Donc on va se... où est-ce qu'on va commencer? Ici, moi, ça me tente. Ouais, ici. Juste, ouais, là. Là, ouais, là, ça me tente bien. Allez. Tac, tac. Avec des tirs enflammés. Je mets ici. Ici, tac. Guerrier celte. Avec moi. Tac, tac. 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 Voilà. C'est guerrier celte en formation. Ils vont pénétrer les premiers dans le camp de l'ennemi. Ensuite, un peu de légionnaire par là. Et un peu de légionnaire. Par où? Par où est-ce que je puis? Par où puis-je attaquer? Par ici. Un peu de légionnaire par ici. C'est parti. Ok. Donc en mode mur de bouclier. Vous par contre, vous rentrez directement dans le tas. Vous allez là. Légionnaire. Tac. Mur de bouclier aussi. Tac. Que ici je mettrais bien en... comme ça. Ouais. Voilà, ici. Vous attaquez. On peut... non. Ouais, si on va essayer d'aller faire un petit truc de reco. Dans Echo. Ça peut être assez utile. On va même avancer nos batteries. Peut-être un peu loin. Parfait. Donc ici. Ils avancent, hein, lentement, mais bon. C'est en mur de bouclier, quoi. Eux, ils y sont presque. Ah, voilà de l'ennemi. Voilà des ennemis, parfait. Cavalerie légère. Fuck, la noble cavalerie là. Bah, on va les attaquer ou... On les attaque. Ici aussi avec ces Romains là. Yaaaaaah. Foum. Bam. Bam sur leur côté. Ensuite on va... il va y avoir un petit déluge de pilum. Préparez-vous. Allez, j'ai envie de mettre pause.
là, c'est, les pylônes commencent à partir. Oh, quel déluge! Et là... BAM! BAM! Là, ils ont bouffé. Là, ils ont bouffé. Mais alors là... Fait chier, par contre là, il commence à y avoir du monde. À l'attaque! Ok, vous, vous tirez ici. Tirez là-dessus! Chier. Ok, je vais prendre le commande. Oh, j'y arrive pas, moi. Non, je sais pas. J'y arrive pas. Il faut espérer que ça tire bien. Moitié. Ici. Allez. Ok, légionnaire. Repli. Ici. Toi, tu continues de les buter. Bon. Allez. Faudrait qu'on tire là-dessus, allez. Ici, ce serait bien. Putain, là, en plein dans nos dômes. Merci, quoi. Mais bon. Chez vous, vraiment. Ah, voilà, c'est parfait. Bien mis à voir. Ok, cavalerie, partez. Partez que je puisse reformer les rangs avec mes roms, avec mes légionnaires. Ce serait bien là, parce que... Mais restez là, cavalerie. Guerriers, c'est un truc qu'on va. C'est pas grave, c'est que des guerriers sèches. Cependant, légionnaire! Ici. En mur de prier, ici. Les hommes sont hésitants. À l'attaque! Allez. Parfait. Une petite charge ici. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Déjà, ouais, déjà mes tirailleurs. Effectivement. Ça fait moins que prévu, mais ça fait moins de morts que prévu. Mais c'est pas grave. Ils vont quand même tous mourir, là on va déjà les avoir. Romain! Attaque! Non, ceux-là. Ya! Yeah. Boum! Et voilà! Tous ceux qui essaient de se replier sont maintenant morts. Voilà! Une victoire facile et rapide. Parfait. On a eu 245 paires, mais ça. C'est les pertes de mes guerriers celtes et un petit peu de ma cavalerie, c'est tout. Donc des pertes inutiles, enfin des pertes pas inutiles, mais des pertes dont je m'en fous. Étant donné que c'est des... Bah, c'est des pertes gauloises quoi, c'est des pertes auxiliaires. Les pertes auxiliaires sont moins importantes que les pertes romaines. Faut pas déconner là. Voilà. On peut occuper la... piller. Non, pas piller vu que je veux l'occuper, ouais, moi je... Ça me gagnera plus. Non, piller, je dois quand même réparer tous les bâtiments. Putain, merde. Ils avaient des bas quartiers, c'est à moi de me les taper. Oh, ça fait chier. Ok, parfait. Voilà, tout est bien.
On a capturé Tulinge. 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 Je sais même pas comment on le dit. Mais... on a capturé cette région. C'est encore mieux, plus facile. Non, annuler. Allez, on va là. Territoire des Vivis. Je me suis pas vraiment. C'est pas comme si c'était une vraie intrusion, hein. Mais bon. Allez. Là, on les a tués. Donc, cet épisode s'est très bien passé. Ma stratégie a bien marché. Donc, on a défoncé les Tulinge. Ou les. Je sais même pas comment ils s'appellent, mais. On va les appeler comme ça. Donc on les a bien défoncés avec un coup bien salaud. Ça fait plaisir. Enfin bon, ça fait pas plaisir, mais c'est... Allez, c'était... Je l'ai bien joué. C'est très méchant, mais je l'ai bien joué. Et ça, j'en suis content. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous fais de gros bisous à tous. N'oubliez pas, commenter. Si vous avez quelque chose à dire, un pouce vert, ça c'est très important. Et surtout, partagez sur Facebook, sur Twitter, sur tout le bordel. Partagez nos vidéos. C'est très très important et ça nous... C'est une façon de nous remercier, donc s'il vous plaît, faites-le, c'est très sympa de votre part. Donc sur ce, merci à tous, et à la prochaine. Allez, zou!